ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. La terre s'incline avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu. Sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Tu perdu dans la nuit,
Indescriptible majesté, nos mots sont dépassés face à tant de beauté. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel. Nous voici dans la présence du Père. Nous élevons nos nos cœurs s'unissent au ciel, nous voici dans la présence du Père. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais présence gagne nos cœurs, nos genoux touchent terre, nous t'adorons, ô Père. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel, nous voici dans la présence du Père. Voici dans la présence du commencer la soirée par la prière. Voilà, je vous propose qu'on se faisons monter notre reconnaissance. Si vous trois frères nous avons parlé, d'un même amour, d'un même cœur, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour cette soirée. Dans le lieu saint, et voilà, et bien, Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Cette soirée, Seigneur, c'est un privilège que nous avons de pouvoir venir dans ce lieu pour te louer, t'adorer, te prier. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta présence. Nous savons que tu es fidèle, ta parole dit que là, deux, trois sont unis en ton nom, et bien tu es présent au milieu de nous, et ce que ta parole dit. Tu le fais parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et c'est là que nous réjouissons et que nous voulons d'ores et déjà t'accueillir et te bénir, te rendre grâce. Merci Seigneur pour toute cette soirée. Nous te la remettons. Nous te remettons, Seigneur, et bien le temps de louange avec toute l'équipe de louange, de plaindre puissamment pendant qu'on se prépare là dans l'arrière de l'estrade pour te rendre. Que les moindres puissamment de les inspirer soient conduits pendant la conduite des chants.
humble de chacun et chacune de nous. Et nous avons tellement cette grâce et cette faveur de pouvoir agir dans tout le temps de culte, et en particulier, Seigneur, pendant ce temps de monde, ton esprit descend sur l'assemblée. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu vas faire ce soir. Nous nous réjouissons, Seigneur, de toutes les personnes qui vont être touchés, les malades qui sont guéris, les personnes qui ne te connaissent pas, le cœur va être bouleversé. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour les vies qui vont être transformées ce soir déjà, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour les nouveaux baptisés. Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés, nous te prions pour que, eh bien, ils puissent rester fermes dans la foi. On te rend grâce pour toutes ces personnes qui te donnaient leur vie, eh bien, dimanche après-midi, qui ont décidé de marcher avec toi, qui ont décidé de te suivre. Et Seigneur, ce soir, nous voulons prier pour ces personnes, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu les baptises du Saint-Esprit. Et nous croyons, Seigneur, que par ton Esprit, tu vas les toucher, tu vas les remplir, tu vas les revêtir, afin, Seigneur, qu'ils puissent, eh bien, aller par le monde annoncer la bonne nouvelle. L'essentiel, c'est d'être à l'heure. Lorsque Jésus reviendra, l'essentiel, c'est d'être là au bon moment. Je vous salue toutes et tous. Je vois que la foule s'est donné rendez-vous ce soir. Je suis impressionné. On va se lever ensemble. Est-ce que vous avez eu l'occasion de saluer votre voisin, votre voisine ? Mais saluez celui que vous n'avez pas l'habitude de voir, celui derrière vous en général, ou celui devant vous. Chers amis, vous qui êtes sur le net, nous vous saluons, nous nous réjouissons d'être avec vous ce soir. Nous vous bénissons. C'est toujours une joie de savoir qu'au-delà des murs, eh bien, nous sommes en communion, et en communion d'esprit ensemble. Nous voulons célébrer le Seigneur. Chantons car Dieu est là. Amen. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, de reconnaissance, un palais de louange. On va recommencer. Frères et sœurs, savez-vous ce que c'est un cri de joie ? Ça, c'est le cri d'un dépressif. Non. Un cri de joie, c'est la joie qu'il y a en vous qui, eh bien, vous amène à exprimer de tout votre cœur votre reconnaissance pour le Seigneur. Amen. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des
Prends du temps pour le dire à ton voisin, parce qu'on dit quelque chose d'important. Vous savez, souvent on chante. Vous avez déjà remarqué comment on chante facilement? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point on ne réfléchit pas forcément à ce qu'on chante? Nous venons de chanter « Dans les épreuves, je danse ». Moi, je me suis souvenu d'épreuves, je leur disais tout à l'heure, où j'avais l'impression de danser, mais comme celui qui marche sur des charbons. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, mais on chante assez allègrement « Dans les épreuves, je danse ». Yato, Shvesta. Et on danse, on danse comment on souhaite. Pouvoir dire, Seigneur, oui, dans les épreuves, je veux danser, mais pour cela, remplis-moi de ton esprit. Vous savez, la force de Paul et de Silas venait de l'esprit qui était en eux. Si vous n'êtes pas rempli de la présence de l'esprit, alors je vous assure, dans les épreuves, vous ne danserez pas. Dans les épreuves, vous les subirez. Mais si vous êtes rempli malgré les épreuves, je ne dis pas que pour autant, ce n'est pas difficile. Mais malgré l'épreuve, on peut continuer à garder son espérance. Amen. Alors, regarde ton voisin et dis-lui, c'est la joie du Seigneur qui sera ta force. Et dans les épreuves, chers amis, vous qui êtes sur le net, c'est la joie du Seigneur qui sera votre force. Et la joie du Seigneur, elle nous vient par le Saint-Esprit.
L'un des fruits de l'Esprit, l'un des fruits de sa présence, c'est la joie. L'une des conséquences de sa présence, c'est la joie. C'est l'une d'entre elles. C'est la joie du Seigneur qui sera ta force. Mais cette joie, elle te vient du Saint-Esprit. Et nous voulons prier ce soir aussi pour le baptême dans le Saint-Esprit, que nous soyons remplis de sa présence. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je chante. Dans la vallée je chante, la joie du Seigneur est ma force. Bien que les larmes coulent, on chante, s'élève, on chante, s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, on chante, s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre tu es mon bouclier, toujours à ma droite quand je suis épuisé. J'entends ta voix m'appeler, Jésus me voici, marchant sur les vagues, je peux tout par Christ. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je chante, dans la vallée je sens. La joie du Seigneur est ma force. Est-ce qu'on peut s'asseoir 2 minutes? Juste 2 minutes et on reprendra la louange. J'ai résisté au banc des moqueurs du premier rang. Ils se sont dit, le vieux, ce soir, il a pris un chant pour les jeunes. Et je voyais qu'ils espéraient que je trébuchasse. Mais je ne trébuchis point. Vous voyez que ma conjugaison est... Bien. Juste 2 mots, puisque ce soir nous voudrions également prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, et notre frère Alan Platt apportera le message après. Mais
simplement pour que ceux qui ont été baptisés dimanche et qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit comprennent aussi à quel point c'est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais pas seulement ceux qui ont été baptisés dimanche, il y en a peut-être qui sont là et qui n'ont pas encore expérimenté cette merveilleuse rencontre puissante avec l'Esprit en dehors du fait que, bien sûr, vous avez déjà le Saint-Esprit. Si vous n'aviez pas déjà le Saint-Esprit qui vous convainc de péché, vous ne seriez pas là ce soir. Donc le Saint-Esprit est déjà en vous. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, si vous le confessez, le Saint-Esprit est déjà en vous. Regarde ton voisin, dis-lui si tu as un doute, ne doute plus. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit ne vient pas le jour du baptême. Le jour du baptême, le Saint-Esprit vient et nous revêt d'autorité. Il nous remplit de sa présence. Il prend le contrôle dans une autre dimension. Et j'aimerais avec vous juste lire ce qui s'est passé à Éphèse. Chapitre 19, l'apôtre Paul arrive chez les Éphésiens. Première des préoccupations, eh bien ce fut « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Que répondirent-ils ? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et une conséquence, une des conséquences, et ils parlaient en langue, mais une autre conséquence, et ils prophétisaient. Le baptême du Saint-Esprit ne se résume pas au fait de parler en langue. Trop souvent, on a résumé le baptême du Saint-Esprit uniquement au fait de parler en langue. C'est l'un des signes qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit ouvre aussi les portes à l'exercice des dons. Et ce soir, ce que nous désirons, c'est prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et nous le ferons comme l'apôtre Paul l'a fait. Il leur imposa les mains. Il leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Lorsque vous viendrez tout à l'heure, ne regardez pas à celui qui vous impose les mains. Regardez à celui qui baptise du Saint-Esprit, parce que celui qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui vous impose les mains, mais c'est Jésus. Nous, nous baptisons d'eau au nom du Seigneur Jésus, dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui a son vent à la main, dit Jean-Baptiste, eh bien c'est Jésus lui-même. Et c'est lui encore qui baptise du Saint-Esprit aujourd'hui. Les frères vous imposeront les mains. Mais lorsque vous commencez à parler en langue, c'est vous qui prononcez les paroles nouvelles. Et vous les prononcez aussi par la foi. C'est dans la foi que vous agissez et que le Seigneur, eh bien, déverse sur vous par son esprit ces flots dans lesquels vous priez dans d'autres langues. Lorsque je prie en d'autres langues, je ne comprends pas ce que je dis. Parce que c'est en esprit que je dis des mystères. Je ne vais pas faire une étude biblique ce soir. Mais je prie par la foi. Amen. Et c'est tellement glorieux. C'est pas quelque chose que je... Ça ne s'apprend pas. Et je bénis Dieu de ce qu'il n'y ait pas une grammaire dans le parler en langue. Je bénis le Seigneur. Il a eu compassion de moi. Il n'y a pas un orthographe. Il n'y a pas tout cela. Ça ne s'apprend pas. Ça se reçoit. Et ça se proclame. Amen. Et c'est simple. Ne venez pas en étant tendu. Ne venez pas. Moi, j'ai vu des gens arriver pour le baptême du Saint-Esprit. Quand ils arrivaient, j'avais l'impression qu'ils sont comme les Gaulois. Le ciel va leur tomber sur la tête. Non, viens, réjouis-toi. Réjouis-toi simplement et reçois. Et reçois. Et peut-être que tu vas t'exprimer dans les langues et tu auras une autre manière de parler que celui qui prie pour toi. Ça, c'est pas important. Simplement, laisse le Seigneur te remplir par son esprit. Et souviens-toi,
c'est important. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et mes amis, si vous n'avez pas encore reçu, je ne parle pas aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, ne venez pas par le baptême du Saint-Esprit. Recevez d'abord Jésus comme votre sauveur. Repentez-vous de vos péchés. Changez de vie. Laissez-vous baptiser. Mais pour ceux qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, ne dites pas, oh, finalement, je n'en ai pas vraiment besoin. Non, non. L'apôtre Paul arrive chez les Éphésiens. Lui, il est préoccupé par ça. Si Paul était préoccupé par cela, nous devrions l'être aussi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et c'est ce que nous voulons ce soir, que vous soyez visité par le Saint-Esprit. Et ensuite, notre frère Alan apportera le message. On peut se lever ensemble ? On va simplement faire la chose suivante. Moi, je propose à ce que les pasteurs s'approchent déjà, ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, vous vous approchez, et on commence la louange sans qu'elle prie. Et au moment où ils le sentiront, eux, ils le sentiront aussi quand c'est le moment, ils vous imposeront les mains. Est-ce que ça va comme ça ? Est-ce que je peux inviter les pasteurs à venir, mais pas seulement les pasteurs, les assistants pasteurs ? Jean-Luc vient aussi, même ceux qui sont en formation. Jean, viens aussi, s'il te plaît, les responsables. Et vous qui désirez le baptême du Saint-Esprit, on va commencer à chanter le premier chant. Eh bien, approchez-vous et ils prieront pour vous. Est-ce que tu peux te pousser un peu pour que je la voie ? Ouais. On va d'abord louer le Seigneur avant qu'on prie. On va d'abord adorer. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Esprit qui donne vie, ranimant, entrez dans la louange et l'adoration. Avant que nous prions, cherchez le Seigneur, adorez-le comme il le cherchait dans la chambre haute. Un souffle rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi. Sur ton église, un souffle nouveau, Seigneur, un souffle nouveau. Envoie sur nos amis qui sont devant leurs écrans ce soir un souffle nouveau. Tu baptises le Saint-Esprit au-delà de ces murs, un souffle nouveau.
Oui, nous sommes en ta prison. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. T'accueillons ce soir. Ouvrons grand nos cœurs, remplis-nous de ta puissance. Viens et remplis-nous. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Source d'eau. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Surtout intarissable. Esprit de baptisé dans le Saint-Esprit, la Mara et la Varo. Alléluia, chers amis, vous qui vous êtes approchés, ouvrez votre bouche et louez le Seigneur. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit avant même qu'on vous impose les mains. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont devant les écrans, un souffle.
souffle nouveau. Visite. Baptise-les dans le Saint-Esprit. Tous celles, tous ceux qui ont soif. Oh, je lève les mains. Souffle nouveau. Je lève mes mains vers toi et je te bénis ce soir. Je lève les mains, même si je n'ai plus la force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains. Je sens ta présence. Je lève mes mains, je lève mes mains, je sens ta puissance, et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. Oh oui, j'ai besoin. Je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin de Christian, s'il te plaît. Christian, viens aussi prier, s'il te plaît, on doit terminer. Vivez ton nom, j'ai besoin de prier. On va reprendre la première strophe. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus la force. Même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Adorons-le. Je t'adore. Je t'adore. Oh.
Le jour se lève, tout
malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chante. Rimarrere
continue à le louer dans l'esprit. Laisse ce souffle nouveau traverser ta bouche, traverser ta vie, traverser ton cœur. Personne qui nous suit sur internet ce soir et vous venez de voir ce moment, vous suivez les cultes, mais dès lors qu'il y a des choses qui sont de la vie de l'esprit, des dons de l'esprit, vous êtes gêné et vous venez de penser dans votre tête, vous venez de penser « Ah mais cette église est tellement bien, mais seulement toutes ces choses-là, ça gâche. » Et le Seigneur vous parle ce soir et vous dit « Mon enfant, tu es mon enfant. » Et je te considère comme tel. Mais veille sur tes paroles et tes pensées. Car il y a bien des choses que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Tu juges, mais tu juges parce que tu ne connais pas. Et ce soir, je te résiste, dit le Seigneur. Tu as actuellement un emploi, mais la fin de la semaine ne sera pas terminée. Qu'il y a un plan de licenciement et qu'on veut te virer. Et sache que la main de Dieu est là. Mais Dieu te dit, si tu réellement te repens et si tu me cherches dans une dimension que tu ne connais pas, eh bien je t'attirerai à moi et je pourvoirai. Je suis un Dieu qui t'aime, mais je suis un Dieu saint également. C'est pourquoi je te le dis, veille à ne pas juger sur des choses qui sont saintes et que tu ne connais pas. Je veux t'amener dans une dimension bien plus grande. Ta vie, tu me l'as donnée, mais elle porte peu de fruits, car tu ne connais pas cette dimension surnaturelle. Tu ne perds pas pied, tu ne lâches pas prise. C'est pourquoi ce soir, je te parle comme un père qui reprend son enfant. Mais si tu te repens, j'agirai et je pourvoirai parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Non, je ne t'ai pas mis de côté. Non, je ne te délaisse pas. Je t'aime et je serai toujours là si tu regardes à moi. Et le Seigneur veut également guérir une personne qui est sur internet. Ma sœur, vous avez des champignons au niveau de vos poumons et ces champignons se sont répandus sur vos deux poumons et le Seigneur vous touche ce soir. En cet instant même, vous sentez dès maintenant la présence de Dieu qui se manifeste, mais allez faire les examens nécessaires et c'est le monde médical qui constatera. Et vous pourrez non seulement vous réjouir pour votre guérison, mais pour le privilège d'avoir vu Dieu se manifester. C'est pourquoi le Seigneur vous le dit, témoigne ma fille, et tu verras encore d'autres personnes touchées, et ta foi sera active, et ta foi t'amènera plus loin encore à pratiquer et à croire en moi encore davantage. Et le Seigneur guérit encore une jeune femme, tu es sur internet, tu nous suis ma sœur, et tu n'as pas la trentaine, mais tu es atteinte d'une endométriose qui est souvent douloureuse également, et Dieu te touche ce soir. C'est quelque chose de très intime, quelque chose de très gênant, mais Dieu te dit, je connais chaque cheveu sur ta tête.
ne penses-tu pas que je connais cette maladie ? J'agirai pour toi, parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Crois en moi, et tu verras, te dit le Seigneur. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu as des pratiques ésotériques, et tu t'approches de Dieu, et tu aimerais m'ajouter à tes pratiques ésotériques. Et Dieu te parle. Il te dit, tu vas devoir faire un choix. Car j'ai en horreur toutes ces pratiques-là. Elles me déshonorent. Mais je t'aime. Et si je te parle ce soir, c'est parce que je suis un Dieu vivant. Qui te connaît, qui t'aime et qui veut changer ta vie. Te donner un nouveau départ. Te donner une paix, une joie à laquelle tu cours après. Mais que tu n'as jamais connue. J'aimerais te faire découvrir la vraie paix. Celle qui vient du ciel. Je t'aime. Prends une décision ce soir de renoncer à cette vie de pratique ésotérique et choisis de me suivre, te dit le Seigneur. Amen. Il y a également une maman, vous nous suivez. Avec votre mari, vous avez constaté que votre petit garçon n'entendait pas bien. Il n'est pas sourd. Et vous vous rendez compte que dès qu'il a une certaine distance, il ne répond plus à vos appels. Et intérieurement, en particulier, la maman, tu t'es à genoux, tu as pleuré pour ton petit garçon. Et tu as dit cette parole, Seigneur, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment que tout tombe sur lui. Il a eu déjà tant de choses, tant de fragilités, tant de fois malade. Et maintenant cela. Le Seigneur te dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Parce que ce petit garçon qui est le tien, je vais le guérir. Je vais permettre à ce qu'il entende parfaitement. Et les examens que vous allez passer le prouveront. Mais il va devenir fort. Et ne sera plus sujet aux maladies comme tu l'as connu jusqu'à présent. Il va grandir. Et un jour, il me servira. C'est pourquoi j'ai vu tes prières, j'ai vu tes pleurs. Je vois cette femme devant un lit et souvent à genoux là, devant ce lit. Le Seigneur t'exauce. Sois béni, Père. Je loue ton nom, sans nombre sont les raisons de mon cœur. Je loue ton nom, sans nombre sont les raisons. Déclarons-le encore une fois, je loue ton nom, je loue ton nom, sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oh, je loue ton nom, sans nombre sont les raisons de mon cœur. Nous louons ton nom, pouvons-nous le louer ensemble, pouvons-nous lui dire merci Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce que tu opères dans la vie des uns et des autres. Merci pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ici. Ceux qui vont l'être tout à l'heure quand ils rentrent chez eux. Ceux qui seront baptisés dans le Saint-Esprit cette nuit. Demain, après-demain. Merci parce que celui qui a soif, tu lui donnes à boire. Tu l'as promis que celui qui a soif pouvait venir à toi. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, lui. Seigneur, tous ceux qui sont venus et qui ont soif ce soir, réellement soif, non pas qu'ils sont venus de manière expérimentale, mais ceux qui sont venus parce qu'ils ont soif de plus, je sais que tu étancheras leur soif et qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Pouvons-nous remercier le Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Merci également aux musiciens, aux choristes, merci à vous. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre place.
Peut-être que Claude et Alan peuvent déjà se préparer. Nous avons la joie d'avoir notre frère Alan ce soir qui nous apportera le message. Juste quelques annonces rapides. C'est toujours difficile de couper de tels moments avec ensuite des annonces très terre-à-terre, mais elles sont importantes. Voilà, attendez, le vieux doit mettre les lunettes. Bien. Vendredi 31 mars, nous avons pour les nouvelles personnes qui viennent dans ce lieu, qui aiment venir dans ce lieu et qui peut-être se posent aussi des questions sur le fonctionnement de l'église et qui veulent en savoir plus, découvrir, il y a un accueil pour vous et ce sera donc à partir de 19h30, vous visiterez aussi tout le bâtiment, etc., etc. Il y aura aussi de quoi boire et sûrement de quoi grignoter. Bien, je voudrais également rappeler qu'il y a la journée de la famille, ça a été annoncé plusieurs fois, vous avez toutes les infos sur portes-ouvertes.com. Du jeudi 6 au dimanche 9 avril, nous avons un week-end d'évangélisation. Qui se réjouit d'amener des amis au Seigneur ? Est-ce que vous avez commencé à prier pour quelqu'un en particulier ? Ne criez pas tous en même temps, je pourrais m'effrayer, hein, mais... Frères et sœurs, utilisons toutes les occasions pour annoncer l'Évangile. Vraiment, pour que cette bonne nouvelle se répande autour de nous. J'aimerais donc vous inviter à partir du jeudi soir jusqu'au samedi soir et le dimanche matin fera partie de cette évangélisation. Donc vous pouvez aussi amener des amis le dimanche matin, il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a pas de prise en charge des enfants les soirs, si ce n'est les 11 à 15 ans. Les 11 à 15 ans eh bien, auront aussi un culte pour eux, mais pour les plus petits, il n'y aura pas de garderie. Je rappelle également qu'il y a le goûter des seniors le 12 avril à 14h dans la chapelle. L'inscription se fait à l'accueil. Du 27 au 29 mai, il y a The Rencontre. Alors, tous les amis, tous les jeunes gens qui nous suivent sur le net ou les parents des jeunes gens qui veulent que leurs enfants viennent, c'est un excellent endroit pour vos enfants et c'est un excellent moment. Ils auront cette année aussi un frère qui nous vient de New York et qui sera certainement en bénédiction. Eh bien... Les inscriptions ont lieu, mais le changement de tarif est le 31 mars, c'est-à-dire jeudi. Alors, vous pouvez encore vous inscrire au tarif de 30 euros. Après, c'est combien, 300 ? Ah, non, après c'est combien ? Oui, alors après c'est 38, donc vous pouvez vous gagner 8 euros. Du 6 au 13 novembre, alors, ce que nous faisons là, c'est tout d'abord un sondage pour voir s'il y a suffisamment de personnes intéressées pour aller en Israël. D'accord ? Il faut que nous soyons à peu près une cinquantaine pour que nous organisions le voyage. Donc, vous pouvez vous préinscrire, ça nous permet de mesurer. Et alors, le voyage a lieu s'il y a suffisamment de personnes. Je me déplace également, je serai à Tavannes le 30 et 31, c'est-à-dire jeudi et vendredi, à tous mes amis suisses, tous les amis de la région de Tavannes et ailleurs. Eh bien, je me réjouis de vous revoir et je crois que le Seigneur va également nous bénir. C'est terminé. Je laisse la place à mes deux amis. On peut accueillir Alan. Be welcome. Welcome, my brother. Bless you too. Tu veux l'introduire un peu? No. I'll let you introduce him. So, Alan. Thank you so much, Pastor Sam, and good evening to you. Merci, Pastor Sam, et bonsoir à toutes et à tous. Voilà. It is a joy to be here. C'est une joie d'être là ce soir. There is this is one of the churches that really just exhibit joy. C'est une de ces églises que je connais et qui démontre la joie. Yeah, and it shows that you are taught well. Ça montre que vous avez été bien enseigné. Voilà. And it's always such a pleasure for me to be here. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. And tonight to share the word with you. Et ce soir de partager la parole de Dieu avec vous.
And when I heard that you are praying for people to receive the Holy Spirit, et quand j'ai entendu que ce soir on priait pour le baptême du Saint-Esprit, this is what Jesus told his disciples to go to Jerusalem for. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples d'aller à Jérusalem, de s'attendre à ce baptême de l'Esprit Saint. Jesus really believed that this will change their lives. Jésus réellement croyait que cette manifestation-là allait transformer leur vie. Listen to what Jesus says in Acts chapter 1 verse 8. Écoutez ce que Jésus dit dans le livre de Actes, chapitre 1 et au verset 8. C'est Jésus qui parle. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » The Holy Spirit will give you power. L'Esprit Saint vous donnera de la puissance. Power, Jesus says, to be my witnesses. Jésus a dit de la puissance pour être mes témoins. Jesus was really saying to the disciples. En fait, Jésus a dit à ses disciples, look at my life. Regardez ma vie. Regardez how à moi. I am going into the world. Comment moi, je vais dans le monde in the power of the Holy Spirit, par la puissance et dans la puissance du Saint-Esprit. And what you see in my life, et ce que vous voyez se passer dans ma vie, I am believing will happen in your life. Je crois que ça va aussi arriver dans votre vie. That is amazing. Ça, c'est étonnant, n'est-ce pas? Later in Acts chapter 10, plus tard, dans Actes chapitre 10, it says Jesus went everywhere in the power of the Holy Spirit. Jésus allait partout dans la puissance du Saint-Esprit. And he did amazing things. Et il a fait des choses extraordinaires. Because God was with him. Parce que Dieu était avec lui. This is what Jesus believed will happen in our lives. C'est ce que Jésus croyait que ça allait arriver dans nos existences. That when we come to Jesus, que lorsque nous venons à Jésus, we are called out of the world. Nous sommes appelés hors du monde. And your life is changed. Et votre vie est transformée, changée. You receive the power of the Holy Spirit. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. And now you are no longer of the world. Et maintenant, vous n'êtes plus du monde. You belong to a new kingdom. Vous appartenez à un nouveau royaume. The kingdom of the authority of the Spirit of God. Le royaume de la puissance de l'autorité de Dieu. And now that you receive that power in your life. Et maintenant que vous avez reçu cette puissance dans votre vie, Jesus prays that you will be sent back into the world. Jésus prie que vous soyez envoyé dans le monde, de retour dans le monde. Now, just before Jesus dies, juste avant la mort de Jésus, Jesus prays a prayer for his disciples. Jésus a prié une prière pour ses disciples. And when he prays this prayer, et quand il prie cette prière, he says, I'm not just praying for the disciples, il dit, je ne prie pas seulement pour les disciples, I'm praying for all those that will believe in this word. Mais pour tous ceux qui un jour croiraient cette parole. In essence, Jesus was including you and me in this prayer. En fait, Jésus vous a inclus, vous et moi, dans cette prière. And I'm sure you want to hear what Jesus prayed. Et je suis certain que vous voulez entendre et écouter ce que Jésus a prié. So let's read it together. Alors, in John 15, John 17. Alors lisons ensemble Jean 17, verset 15. Jésus prie ainsi, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Can you imagine that this is something that is very important for Jesus? Pouvez-vous imaginer que cette chose-là est un point capital pour Jésus? Before he is about to die. Avant de mourir, juste avant de mourir. This is his prayer. C'est là sa prière. Father, don't take them out of the world. Seigneur, ne les ôte pas du monde. Send them to the world. Renvoie-les dans le monde. I struggled with that portion of scripture. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce passage des Écritures. Until one day I got a revelation. Jusqu'au jour où j'ai eu une révélation. And I got this revelation when I was trying to set my dog free from fleas. Et cette révélation, je l'ai eue le jour où j'ai voulu libérer mon chien des puces. So I share with you with liberty the parable of the fleas. Donc avec beaucoup de liberté, je vous partage ce soir la parabole des puces. My dog had fleas and I decided I was going to comb through the hair of the dog and catch every flea donc, that I can. Mon chien avait des puces et j'avais décidé de prendre le peigne à puces et d'enlever chaque puce du poil de mon chien. I don't know if you've ever tried that, but it's a very difficult exercise. Je ne sais pas si j'ai essayé de faire cela, mais c'est un exercice extrêmement difficile. Les chiens n'ont pas de puce. So my friend arrived and he asked me what I was doing. Et donc mon ami est arrivé, il m'a demandé ce que je faisais là. I explained to him my project. Et donc je lui ai expliqué mon projet. And he said to me, but why don't you just go to the store and buy a flea collar? Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas au magasin acheter un collier à puce? Antipuce, voilà. I thought, well, that's a good idea. I went to the store, bought the collar, put it on the neck of the dog. Ah, c'est une bonne idée. Je vais aller au magasin acheter un collier antipuce, le mettre au cou de mon chien. And within 3 days, all the fleas are gone. Et en 3 jours, tous les puces étaient partis. I'm amazed. I'm trying to figure out how does this system work. Et je me suis dit, mais comment que ça marche? J'étais tellement étonné. How did the fleas at the tail end know there is now a flea collar around the neck? Comment est-ce que la puce qui est au bout de la queue de mon chien avait compris qu'il y avait un collier anti-puce à son cou? How did they know it was a flea collar? Et d'ailleurs, comment est-ce que cette puce pouvait savoir que c'était un collier anti-puce? So I went back to my friend. I said, "Please explain this to me." Donc je retournais voir mon frère, mon ami, je lui ai demandé, mais explique-moi comment ça fonctionne. He says, "Alan, it's actually very simple." Il me dit, Alan, c'est effectivement très très simple. He says, as on the flea collar there is a powder. Il m'a dit, sur le collier antipuce, il y avait une forme de poudre. And as the hair of the dog brushes against the collar, the powder is released. Et alors que le collier frotte contre le poil du cou du chien, la poudre est libérée. And the powder is assimilated through the skin of the dog into the bloodstream. Et donc la poudre est assimilée au travers de la peau du chien dans le système sanguin. And it builds an immunity in the bloodstream. Et cela construit dans le chien une immunité. And now, as the blood circulates through the dog, et maintenant que le sang circule au travers du corps du chien, when the flea at the tail end bites the dog, et lorsque la puce qui est au bout de la queue du chien commence à mordre mon chien, the flea dies and the dog lives. La puce meurt et le chien vit. And I said, hallelujah. Et j'ai dit, hallelujah. I now understand John 17. Maintenant, je comprends Jean 17. This is what Jesus was praying. C'est ce que Jésus a prié. Father, I do not pray that you take them out of the flea nest of this world. Seigneur, je ne te demande pas, je ne demande pas de les sortir du nid à puces du monde. Put them right in between the fleas. Au contraire, renvoie-les dans le tas de puces. It's a new translation, okay? C'est une traduction moderne, récente, nouvelle. But do something in them. Mais fais quelque chose en eux. Sanctify them by your truth. Sanctifie-les par ta vérité. Let the power of God find opportunity within them.
Que la puissance de Dieu trouve de l'espace en eux. Let the Spirit of God come and dwell within them. Que l'Esprit Saint vienne vivre en eux. Because that will build an immune system within them. Parce que ça va monter, ça va développer en eux un système immunitaire. That when they enter into the world, que lorsqu'ils repartent dans le monde, they will not be affected by the world. Ils ne seront pas affectés par le monde. But they will affect their world. Mais eux vont affecter leur monde. That's what Jesus believed. C'est ce que Jésus croyait. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint-Esprit. Because you will become my witnesses. Parce que vous deviendrez ainsi mes témoins. You will enter into a broken, damaged world. Vous allez pénétrer dans un monde cassé, brisé. A world that is confused. Un monde confus. A world that is full of sinful engagement. Un monde qui est dans plein de choses pleines de péchés. But enter into that world. Mais entrez dans ce monde. As those that know the truth. Comme ceux qui connaissent la vérité. What is this truth? Et c'est quoi cette vérité? The truth is the knowledge of who you are in Christ. C'est la connaissance de ce que vous êtes en Christ, de qui vous êtes en Christ. The knowledge that you died. La vérité, c'est que vous savez que vous êtes mort avec Christ. You were raised with Christ. Vous avez été ressuscité avec Christ. You are seated with Christ. Vous êtes assis avec Christ. You know, in 2 weeks' time, we will celebrate Easter. Dans 2 semaines, on va fêter la Pâque. It is the greatest moment in the history of humanity. C'est le moment le plus important dans l'histoire de l'humanité. But it's important that you discover yourself in that moment. Mais c'est important que vous vous découvriez vous-même dans ce moment précis. Let me congratulate you as France that beat the Irish last night. Laissez-moi vous féliciter que la France a battu hier soir les Irlandais au foot. It's amazing what happens to a fan when their team wins. C'est incroyable ce qui arrive à un fan lorsque son équipe gagne. Suddenly they have an attitude. Tout à coup, ils ont une attitude particulière. Suddenly they can't wait to speak to somebody. Ils n'arrivent plus à attendre le moment où ils peuvent parler à quelqu'un. There's a boldness and a liberty. Il y a une audace et une liberté qui s'installe en eux. Because that recorded victory. Parce que cette victoire enregistrée suddenly has a bearing on their life. Tout à coup a un impact sur leur vie. And if you ask them who won, et si vous leur demandez mais qui a gagné, they will answer, we won. Ils vont dire nous avons gagné. Say what do you mean we won? You did nothing. Comment ça nous avons gagné? Vous avez rien fait du tout. Say no. When my team wins, non, quand mon équipe gagne, I win. Je gagne. That victory that is recorded suddenly becomes my victory. Cette victoire-là, c'est ma victoire. That's the power of association. C'est la puissance de l'association. That's exactly the same principle that we recognize as faith. C'est le même principe que nous reconnaissons comme la foi. Because 2000 years ago, a victory was recorded. Parce qu'il y a 2000 ans, une victoire a été enregistrée. And you are included in that victory. Et vous avez été inclus dans cette victoire. His victory is your victory. Sa victoire, c'est ma victoire. His triumph is your triumph. Son triomphe, c'est mon triomphe. Because you believe that is the reality. Parce que vous croyez que c'est la réalité. It starts to affect your life. Ça commence à affecter votre vie. It changes how you think. Ça change votre façon de penser. It changes how you speak. Votre façon de parler. And now Jesus says receive the Holy Spirit. Et maintenant Jésus dit recevez le Saint-Esprit. Because he will lead you into all truth. Parce qu'il va vous conduire dans toute la vérité. He will keep reminding you. Il va continuer à vous rappeler les choses. That victory is your victory. Que cette victoire là c'est votre victoire. That triumph is your triumph. Que ce triumphe c'est votre triomphe. When life becomes difficult. Quand la vie devient difficile. The Holy Spirit will empower you. L'Esprit Saint va vous rendre capable. And you will represent the kingdom of God. Vous allez représenter le royaume in de Dieu. Every dimension of your life. Dans chaque dimension de votre existence. So Jesus wants to teach his disciples. Et donc Jésus veut enseigner ses disciples.
how this is going to happen. Comment cela va se passer? So Jesus says to them, follow me. Jésus leur dit alors, suivez-moi. And Jesus starts to take them outside of their comfort zone. Et Jésus commence à les emmener avec lui en dehors de leur zone de confort. Jesus says, we're going to Samaria. Jésus dit, allons à Samarie. Say, Lord, we don't want to go to Samaria. Oh, non, on va pas aller là-bas. Hein. Non, c'est, non. We don't like the Samaritans. On n'aime pas les Samaritains du tout. But the Bible says Jesus had to go through Samaria. Mais la Bible déclare que Jésus devait passer par la Samarie. But we all know that Jesus or the Jews never walked through Samaria, they walked around Samaria. Mais nous tous, nous savons que les Juifs ne traversaient jamais la Samarie, ils la contournaient en fait. Jesus says, no, come, I'm going to teach you. Et je leur ai dit, non, venez, je vais vous enseigner quelque chose. How to become a witness. Comment devenir un témoin. How to go and reach a person who is in need. Pour aller toucher une personne qui est dans le besoin. How to go and speak to a woman who is someone who is desperate. Pour aller parler à une femme, comment parler à une femme qui est désespérée. The disciples cannot believe this. Les disciples ont du mal à croire. Why would the Jewish rabbi take us to Samaria? Pourquoi un rabbin, notre maître juif, nous amènerait en Samarie? When Jesus gets there, we see how a word of knowledge. Et lorsque Jésus arrive là-bas, nous voyons comment une parole de connaissance, empowered by the Holy Spirit, encapacitée par le Saint-Esprit, touches this woman's life. Touche la vie de cette femme. She's deeply impacted. Elle est profondément impactée. Her life turns around. Sa vie est retournée comme une crêpe. And she becomes a witness. Et elle va devenir elle-même un témoin. We see how Jesus says to the disciples, come with me, we're going to have dinner with the Pharisees. With the tax collectors. On voit Jésus dire à ses disciples, venez, on va avoir un dîner avec les publicains, les collecteurs de taxes. These are the people that good people never spend time with. Ça, c'est le groupe de personnes que les bonnes gens ne fréquentent jamais. The Pharisees who are the religious people. Les pharisiens qui sont les vrais religieux. They look at Jesus and they say, "This is not right." Regardent Jésus et disent, mais ça, c'est pas bien ce qu'il fait là. Why is he spending time with sinners? Pourquoi est-ce qu'il passe du temps avec des pécheurs? Jesus is teaching his disciples. Jésus enseigne ses disciples. I want to show you how to become a witness. Je vais vous montrer comment devenir un témoin. And he's speaking into the life of these people. Et il parle dans la vie de ces gens-là. He's not intimidated by them. Il n'est pas intimidé par eux. Being religious. Qui ne sont pas religieux. He's speaking into their lives. Ils parlent dans leur vie, s'impliquent dans leur vie. The most amazing moment where Jesus teaches his disciples. Le moment le plus étonnant dans l'enseignement que Jésus apporte à ses disciples. Happens just after they have fed 5,000 people with a few loaves of bread and some fish. Arrive juste après l'épisode où Jésus, avec quelques poissons et cinq miches de pain, va nourrir 5,000 personnes. Incredible miracle has taken place. Un miracle incroyable a eu lieu. And Jesus calls his disciples and says to them, "Go over to the other side." Jésus retrouve ses disciples. Il leur dit maintenant, passez de l'autre bord du lac. Now you have to understand the disciples did not want to go to the other side. Il faut bien comprendre que les disciples ne voulaient pas aller de l'autre bord, l'autre côté du lac. Because the other side was the unclean side. Parce que l'autre côté du lac c'était le côté impur. It's where the seven nations of Canaan had settled. C'est là où les sept nations de Canaan s'étaient établies. This side was the Jewish side. Ce côté c'était le côté des Juifs. Where the 12 tribes of Israel were. Où il y avait les 12 tribus d'Israël. Now Jesus says, "Go over to the other side." Et là, maintenant il leur dit, allez de l'autre côté. Those were pig-eating people. C'était des gens qui mangeaient du cochon. I don't know how many of you know, but a Jew and a pig, there's a distance. Je ne sais pas qui de vous sait que entre un Juif et le cochon, il y a une certaine distance. But it's not the first time Jesus says go over to the other side. Mais c'est pas la première fois que Jésus leur avait dit de passer de l'autre côté du lac. In Mark chapter 4, we see Jesus call his disciples together. À Marc 4, nous retrouvons Jésus qui rassemble ses disciples. And he says, "We're going over to the other side." Et il leur dit, maintenant nous allons passer ensemble de l'autre côté. I see the disciples looking at each other. Et on peut imaginer que les disciples se regardaient les uns les autres. Why will we go to the other side? Pourquoi est-ce qu'on va là-bas?
Bad things can happen to us if we go to the other side. Peut nous arriver des mauvaises choses en allant là-bas. They had this superstition that it would be bad for them to go to that side. Ils avaient la superstition au fond d'eux que s'ils allaient de l'autre côté, des mauvaises choses allaient leur arriver. That's the unclean side. C'est le côté impur. As a matter of fact, if a Jew went over to that side, en fait, lorsqu'un juif traversait le lac pour aller de l'autre côté, and he had any contact with anybody on that side, et s'il avait un contact quelconque avec une personne de l'autre côté, he would be reckoned to be unclean. Il serait reconnu impur. And when he comes back to Israel, he has to go through a cleansing ceremony. Et lorsqu'il revenait en Israël, il fallait qu'il traverse, qu'il passe une espèce de cérémonial de purification. But Jesus said, "Let's go to the other side." Mais Jésus dit, allons de l'autre côté. So they get into the boat. Donc ils prennent le bateau. And then we see how the tension is heightened. Et on remarque alors combien la tension est en train de monter. Because the Bible says, and then Jesus decides he's going to sleep. Parce que Jésus, la Bible déclare que Jésus avait décidé d'aller faire une bonne sieste. Now I see these disciples in the boat. Et maintenant je vois ces disciples dans le bateau. I can just imagine the conversation between J'imagine them. La conversation entre eux. Why are we going to the other side? Pourquoi est-ce qu'on va de l'autre côté? This is not the right thing to do. C'est pas la bonne chose à faire ça. Bad things can happen to us. Il peut nous arriver des malheurs là. And then you see a storm comes up. Et voilà qu'une tempête se lève. And suddenly in their minds this storm is different to every other storm. Et tout à coup dans leur tête cette tempête est bien différente des taux de tempête qu'ils ont connus. They're connecting it with bad things that can happen. Ça, ils connectent cette tempête à ces mauvaises choses qui peuvent leur arriver. Because the Bible says they go and they awaken Jesus. Parce que la Bible dit qu'ils sont allés voir Jésus et ils l'ont réveillé. And they accuse Jesus. Et ils ont accusé Jésus. They say, don't you care that we perish? Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur qu'on meure? In other words, they're saying, why are you taking us to the other side? Autrement dit, ils lui disent, mais pourquoi tu nous amènes de l'autre côté? But what does Jesus do? Mais qu'est-ce que Jésus fait? He has the power of the Holy Spirit. Il a la puissance du Saint-Esprit. God is with him. Dieu est avec lui. He rises up. Il se lève. He speaks to the wind and the storm. Et il parle à la tempête et au vent. And the storm quiets. Et la tempête s'arrête. And the disciples look at each other. Les disciples se regardent les uns les autres. And they say, what kind of man is this? Ouh, mais quel genre d'homme es-tu et cet homme-là? There's something different about him. Il y a quelque chose de différent en lui. What is Jesus doing? Qu'est-ce que Jésus fait? He's training his disciples. Il est en train de former ses disciples. That even in the midst of the storm, même au milieu de la tempête, if the Spirit of God is in you, si l'Esprit de Dieu est en vous, you do not have to be afraid. Vous n'avez pas besoin d'être effrayé. You will receive power. Vous avez reçu la puissance. When the Spirit of God comes upon you. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. In the midst of your storm. Au milieu de votre tempête. The disciples are amazed. Les disciples sont étonnés, effarés. But they get to the other side. Mais ils passent de l'autre côté. There's nobody there to greet them. Il n'y a pas de comité d'accueil. Nobody there to welcome them. Ni personne qui les reçoit. Because remember, those people and the Jews did not have contact with each other. Parce que ces gens-là et les Juifs ne se parlaient pas. So nobody's excited that they have come. Personne n'est excité à l'idée de voir arriver. They get out of the boat. The disciples are looking around. Les disciples regardent autour. And they only see one guy. Et ils ne voient qu'un gars. He's full of demons. Rempli de démons. He's running around between the graves. Qui court entre les tombes. And Jesus turns to his disciples. Et Jésus se tourne vers les disciples. And he says, et il leur dit, we came for that guy. On est venu pour ce gars-là. Justement, ce gars-là, on est venu pour lui. I can just see those disciples. J'imagine ces disciples, la tête des disciples. This is a terrible trip. Non, mais ça, c'est un voyage terrible qu'il nous fait faire, le Seigneur. We don't know how they get hold of the guy. On ne sait pas comment ils ont attrapé ce gars. But they do get hold of him. Mais ils ont réussi à le choper. They drive out the demons. Ils ont chassé les démons en lui. The demons go into the pigs. Les démons partent dans les cochons. And this whole herd of pigs run over the cliff. Et ce troupeau de porcs a sauté par-dessus la falaise. In a mass suicide. Dans un suicide massif. And all these pigs die. Et tous ces porcs sont morts. Now that immediately touches the economy. Et ça a immédiatement affecté l'économie locale. And if you touch the economy, et quand vous touchez l'économie, you get the attention of the people. Vous avez l'attention des gens. Is that true in France as well? C'est vrai aussi en France chez vous?
I saw a march happen in the city today. J'ai vu une marche avoir lieu dans la ville aujourd'hui. Apparently it's about the economy. Apparemment, c'est une question d'économie. If you touch the economy, si vous touchez l'économie des gens, the people show up. Les gens se montrent. Hein. And so what happens is the whole region come down to Jesus and his disciples. Et ce qui est arrivé, c'est que toute la région est venue vers Jésus pour le voir et voir ses disciples. And they say to Jesus, we don't want you here. Et ils disent à Jésus, on ne te veut pas ici. Look what you've done. Regarde ce que tu as fait là. Get out of our region. Sors de chez nous. The disciples are happy. They are back in the boat. Les disciples sont contents, ils rentrent dans le bateau. Ils sont enfin contents. But the guy that has just been set free. Mais l'homme qui venait d'être libéré. He looks at Jesus and he says, "Can I come with you?" Il regarde à Jésus et il dit, "Est-ce que je peux venir avec toi?" And Jesus says, "No." Jésus dit, "Non, tu restes là." I always felt sorry for him. J'ai toujours eu de la pitié pour lui. Jésus dit, "Mince alors." I thought Jesus, he just wants to join the team. Jésus, il voulait juste rejoindre l'équipe, quoi. But Jesus was so smart. Mais Jésus était tellement intelligent. Jesus knew he had just found the key to the whole unclean. Jésus savait qu'il venait d'avoir la clé qui allait ouvrir toute la région à l'évangile. I believe in the next season God is giving us keys. Et je crois honnêtement que dans la prochaine saison, tu vas nous donner des clés. To have influence into spaces in our world. Pour avoir de l'influence dans des domaines de notre monde. That previously we thought we cannot go. Des domaines dans lesquels on ne pouvait pas atteindre avant. And Jesus says to this man. Et Jésus a dit à cet homme. Go and tell your story. Va et raconte ton histoire. He says, go from village to village, go and tell your story. Va de village en village et raconte ton histoire. This was very different to the way Jesus told people on the Israel side. C'est très différent de ce que Jésus a dit à la foule du côté d'Israël. On the Israel side, when Jesus did a miracle, du côté d'Israël, quand Jésus a fait un miracle, he says, don't go and tell the people. Il n'a jamais dit, allez, va raconter ton histoire. Because I don't want the people to know yet that I am the Messiah. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus voulait que les gens sachent maintenant qu'il est le Messie maintenant. Mon temps n'est pas venu. Mais de l'autre côté du lac, il a dit, allez, raconte ton histoire. Maintenant, les disciples repartent vers Israël. Miracle after miracle after miracle is taking place. Des miracles après miracles ont lieu. They have just been part of a big miracle feeding 5,000 people. Ils venaient de donner à manger à 5,000 personnes. Quel miracle! They saw how you could break bread and it multiplies. Ils ont vu comment partager du pain et le pain se multiplie dans vos mains. The disciples are so happy they are high-fiving one another. Ils sont tellement contents qu'ils se font un ils se font un high five. High five, voilà, c'est ça que ça veut dire. And Jesus calls them together. Et il les rassemble. And he says, go over to the other side. Allez, on repart de l'autre côté. They cannot believe. Ils n'arrivent pas à croire. That Jesus would want them to go back to that place. Que Jésus veuille les faire repartir dans ce lieu-là. Say, Jesus, do you remember those people hate us? Tu te rappelles Jésus que ces gens-là qu'on avait l'autre jour, ils nous haïssent maintenant. Those people don't want us there. Ils ne veulent pas qu'on soit là-bas. Remember, they chased us away. Tu te rappelles, ils nous ont chassés littéralement. But of course Jesus said, go over to the other side so they get into the boat. Mais Jésus a dit, on va retourner là-bas. Ils sont repartis dans le bateau. And Jesus says, and this time I'm not going with. Et il leur dit, cette fois-ci, vous y allez tout seul. Now they're in the boat. Et les voilà dans le bateau. This is a bad idea. Ça, c'est une mauvaise idée qu'il a le Seigneur. Hein. We should not be doing this. On ne devrait pas faire ça. Hein. And he's not in the boat. Il n'est même pas là cette fois-ci. But the Bible says Jesus went up the hill. His eyes. Mais Jésus, il est marqué de Jésus est monté sur la colline. Was on them all the time. Mais ses yeux étaient sur eux tout le temps. What was Jesus doing? Qu'est-ce que Jésus faisait? He was training them. Il les façonnait, il les formait. For the day where he will not be in the boat. Pour le jour où il ne serait pas là. But his eye will be on you. Mais où ses yeux seraient quand même sur eux. Sending you to be a witness. Vous envoyant pour être un témoin. Sending you to represent his life. Vous envoyant pour représenter sa vie. Now it's getting dark. Maintenant voilà que le jour tombe, la nuit tombe, it's pardon. Midnight. Il est noir. The wind is picking up again. La nuit est nuit noire. Le vent se lève. The disciples are starting to get anxious. Les disciples deviennent anxieux. And Jesus decides he's going to go over to the other side. Et Jésus
décide maintenant quand même de traverser le lac. But he's going to take the shortcut. Mais il prend le raccourci. He's going to walk across the lake. Il va passer le lac à pied. You have to have sympathy with the disciples. Il avait de la sympathie, il avait peur pour eux, enfin peur, il voulait les rassurer. I mean, they are expecting the worst. Et eux s'attendent au pire. The next moment, something is walking on the water. Le moment suivant, voilà que il y a un truc qui se promène sur l'eau là. They say to each other, "This is a ghost." Ils disent mais c'est un fantôme. Jesus says, "No ghost, it's me." Non, il y a pas de fantôme, c'est moi, Jésus. And the Bible says he wanted to pass them. Et la Bible dit qu'il voulait passer à côté d'eux. But Peter spoils the program, he gets out of the boat. Mais alors de nouveau, une fois de plus, Pierre gâche le programme. Jesus passe par-dessus le bord, Jésus doit le sauver. And then they get to the other side. Et voilà arrivé de l'autre côté. Now listen to what happens. Non, écoutez ce qui s'est passé. When they get to the other side. Lorsqu'ils atteignent l'autre bord. The rumor starts to spread. La rumeur commence à se répandre. The one that set the demon-possessed man free. Celui qui a libéré le possédé. He is back. Est revenu. And they start bringing sick. Et ils amènent les malades. They start bringing those that need to be delivered. Ils amènent ceux qui ont besoin d'être libérés. And Jesus starts ministering. Et Jésus commence à exercer le ministère. He had found the key. Il a trouvé la clé. To the whole region. Pour toute la région. Because the Bible says 4,000 people gathered. Parce que la Bible dit que 4,000 personnes se sont rassemblées autour de lui. Isn't that incredible? C'est pas incroyable ça? This is what happens with this church. C'est ce qui s'est passé avec cette église. As miracles happen. Alors que les miracles arrivent chez vous. The rumor starts to spread. Les rumeurs commencent à se répandre. And people hear. Et les gens entendent. And they come. Et ils viennent. Now there's 4,000 people. Maintenant voilà qu'il y a 4,000 personnes. They get hungry. Ils ont faim. And Jesus says, "We're going to feed them." Et Jésus dit, allez, on va les nourrir. And they start feeding them. Et ils commencent à les nourrir. The bread is multiplied. Le pain se multiplie de nouveau. And they pick up 7 baskets. Et ils rassemblent 7 paniers d'excédents, de reste. Now when everything is finished, alors que tout est terminé, they get back in the boat. Ils repartent dans le bateau. They are going back to the Israel side. Et ils repartent du côté d'Israël. The disciples are very excited. Les disciples sont vraiment excités. But Jesus makes one of those big statements. Voilà maintenant que Jésus fait une de ces grandes déclarations. That the disciples did not always understand. Que les disciples n'ont pas toujours compris. He says, "Beware of the leaven of the Pharisees." Faites attention au levain des pharisiens. What Jesus was saying, "Beware of the religious spirit." En fait, Jésus disait, faites attention à l'esprit religieux. Because it will keep you from going to the other side. Parce que ça va vous retenir d'aller de l'autre côté. I'm calling you to know that you are sent into the world. Je vous appelle à savoir que vous êtes, que je vous envoie dans le monde. You that are not of the world. Vous n'êtes plus du monde. You are sent to the world. Mais je vous ai envoyé dans le monde. And if you are afraid to go into the world. Et si vous êtes effrayé pour aller dans le monde. Come and be empowered by the Holy Spirit. Venez et soyez remplis du Saint-Esprit. So that you can go in the power of the Holy Spirit. Afin que vous puissiez partir dans la puissance du Saint-Esprit. The disciples are discussing, what does this mean? Et les disciples discutent entre eux et se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? The Bible says Jesus is listening to them. Et la Bible dit que Jésus les écoutait parler. And as they come to a conclusion, et alors qu'ils sont en train de sortir une conclusion, they say to each other, it's because we forgot the bread. Et ils se disent entre eux, c'est parce qu'on a sûrement oublié le pain. Jesus says, no, guys, come here. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Venez. And then he asks them a question. Il leur pose une question. He says, when we were on the Israel side, lorsqu'on a été du côté d'Israël, where the 12 tribes of Israel are, où il y a les 12 tribus d'Israël. How many baskets did we pick up? Combien de paniers de pain, de restes de pain avons-nous ramassé? They say 12. 12, ils ont répondu. He says, you're right. OK, vous avez raison. He says, and then we went to the other side. Et quand on est allé de l'autre côté. There were the 7 nations of Canaan. Où il y a les 7 nations de Canaan. How many baskets did we pick up? Combien de paniers avons-nous récolté, collecté? They say 7. 7. And Jesus says, Jésus dit, and you don't understand? Et vous ne comprenez toujours pas, les gars. And they didn't. Et ils n'ont pas compris. And neither did I. Ni moi, d'ailleurs.
I read that many times. Et j'ai lu ça, ce texte de multiples fois. Until somebody opened it up to me. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a montré ce qu'il voulait dire ce texte. Saying what Jesus was really saying. En fait, ce que Jésus disait réellement. When we were feeding people. Lorsque nous avons nourri des gens. We were not just feeding hungry people. On n'a pas juste nourri des ventres affamés. But it was a prophetic statement. Mais c'était une parole prophétique. That I am the bread of life. Que moi je suis le pain de vie. And there's more than enough of me to feed all of Israel. Et il y a suffisamment en moi pour nourrir tout Israël. There's more than enough of me to feed all my people. Il y a suffisamment de pain en moi pour nourrir tout mon peuple. There's more than enough of me to feed my church. De nourrir mon église. But I want you to understand. Mais je veux que vous compreniez. I am also the bread of life. Je suis aussi le pain de vie. For the other side. Pour l'autre côté. There's more than enough of me. Il y en a suffisamment en moi. To feed the other side. Pour nourrir l'autre côté. I just need people. Il me faut juste des gens. Who will go in the power of the Spirit. Qui dans la puissance du Saint-Esprit iront. And start to break the bread. Et commence à partager le pain. This side, that side, Jesus says. De ce côté, de l'autre côté. It's all my side. C'est tout mon côté à moi, ça. It belongs to me. Ça m'appartient. I send you. Je vous envoie. Bring it into the kingdom. Amenez-les dans le royaume. So that they can come here to be regularly fed. Afin de venir ici et d'être régulièrement nourris. You are empowered. Vous avez été rendu capable by the Holy Spirit par le Saint-Esprit to be witnesses. D'être des témoins. I release you tonight. Ce soir, je vous libère. If you are online, I release. Si vous êtes aligné avec cette pensée, je vous libère witness, pour être un témoin. A witness of the goodness of God. Un témoin de la bonté de Dieu. To people in the church. Pour des gens dans l'église. But wherever you will be. Mais où que vous alliez, in the rest of this week, pour le reste de la semaine, you are a witness. Vous êtes un témoin. Start breaking the bread. Commencez à partager le pain. Of life to people. Le pain de vie. Hallelujah. Partagez-le aux gens. Alléluia. Hallelujah. Let me pray for you. Prions ensemble. Receive the blessing of the Lord. Recevez la bénédiction du Seigneur. Hallelujah. Maybe I can ask you to stand with me, would you? Demandez de vous lever si vous voulez bien. I just want to release over you the grace of God. Je voudrais vous libérer sur vous la grâce de Dieu. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Thank you that you sent your son Jesus Christ. Merci que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. And he came to show us the way. Et il est venu nous montrer la voie. We recognized his life. Nous reconnaissons sa vie. Empowered by the Holy Spirit. Revêtu par le Saint-Esprit. Touched the lives of so many people. Qui a touché de telles nombreuses vies. And then he died. Et puis il est mort. And he included us in that reference. Et il nous a inclus dans sa mort. So that we can say, afin que nous puissions dire, we also died to our own life. Nous sommes aussi morts à nos propres vies. We were raised to new life in nous Jesus. Avons été ressuscités à une nouvelle vie en Jésus-Christ. And we have received the power of the Holy Spirit. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. So that now we can sit in heavenly places. Afin que nous puissions maintenant être assis dans les lieux célestes. A place of authority. Une place d'autorité. A place of influence. D'influence. And we can be witnesses. Et nous pouvons être des témoins. So tonight we release your people. Ce soir nous vous libérons. In a new and fresh way. Dans une manière nouvelle et fraîche. To go and be witnesses. D'aller et d'être des empowered témoins. Empowered by the Holy Spirit. En capacité, revêtu de la puissance we thank du Saint-Esprit. You, Lord Jesus. Nous te remercions Seigneur and Jésus. All God's people say, et tout le monde dit, toute la foule dit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire une ovation au Seigneur et remercier-le vraiment pour sa parole? Écoutez, si en partant d'ici, chacun d'entre nous dans la semaine à venir partage la bonne nouvelle à quelqu'un, il y a nous, mais sur le net, vous êtes à peu près entre 6 et 7 000. Imaginez, jusqu'à dimanche, combien de personnes entendront parler de Jésus? Il suffit d'ouvrir ta bouche. Il suffit de le faire. Je bénis Dieu de ce que quelqu'un ait parlé à mon père il y a des années. Que quelqu'un ait parlé à ma maman en disant, mais elle peut être guérie. Et d'ailleurs, ce soir, je voudrais... Elle est au milieu de nous. Elle fête ses 91 ans aujourd'hui. Et elle est là. Et moi, je voudrais
Est-ce qu'on peut lui chanter Happy Birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Suzanne. Happy birthday to you. Et vous savez, je me dis, c'est tellement extraordinaire parce qu'ils étaient tous les deux et ils ont partagé le pain. Papa, maman. Alors maman avait, souvent elle recevait les gens à la maison, elle, la table, il y avait toujours quelqu'un chez nous. Quand on était gamin, on rentrait, il y avait toujours quelqu'un. Soit c'était prévu, soit c'était pas prévu, soit il sentait bon, soit il sentait mauvais. Il y avait toujours quelqu'un. Il y en a qui ont dormi chez nous pendant certains 6 mois, 1 an. Le grand-père qui avait 88 ans, quand il est arrivé, il est resté 5 ans. Mais il y avait toujours quelque chose qui se passait. Mais combien de malades ont été guéris? Et aujourd'hui, je me dis, mais l'autre jour, on arrive à Lyon pour des baptêmes, et le monsieur qui arrive là dit, je me laisse baptiser, parce que quelqu'un m'a donné le livre de Papa Jean, et j'ai été bouleversé. Frères et sœurs, votre vie, ma vie, doit servir à faire connaître cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est, vous savez, la seule chose qui peut changer la société, c'est pas la politique. La seule chose qui peut changer la société, c'est que les cœurs soient transformés par Jésus. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Il n'y en a pas d'autre. Et vous pouvez faire tous les programmes du monde, ça ne changera rien. Mais si Jésus vient et change les vies, et je veux bénir Dieu. Merci, chère maman, pour qui tu as été pour nous. Et je sais que si je suis là, je lui dois beaucoup. Évidemment, parce que c'est ma mère, mais... Parce que quand elle a été guérie, les médecins lui ont dit, et ont donné l'ordre à mon père, enfin l'ordre, ils lui ont dit, surtout qu'elle n'ait plus d'enfant. Il ne faut plus qu'elle ne tombe enceinte, il ne faut plus qu'elle ait d'enfant. Et elle a dit, moi je veux un fils. Et mon père n'était pas d'accord. Hein. Bon, il a quand même dû faire quelque chose pour que ça se passe. disons que ça ne s'est pas fait sous la torture, voilà. Je voulais dire, Mais lui, il était pas. Elle dit, moi, je veux un fils et je l'appellerai Samuel. C'est pour ça que je suis là. Je suis là parce que Jésus l'a guéri et je suis là parce qu'il a dit, moi, j'en veux un. Voilà. Alors, je bénis Dieu. Est-ce qu'on pourrait se prendre par la main ce soir et simplement prier ensemble en disant, est-ce que vous pouvez poser la main sur votre voisin plutôt en disant, faites-nous des témoins. Seigneur, faites-nous des témoins. Pendant que le prix, elle joue, faites-nous des témoins. Si vous êtes seul, rapprochez-vous de quelqu'un et on va prier ensemble. Seigneur, nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte pour que les disciples restent dans leur confort, chez eux à la maison. Tu ne nous as jamais donné le Saint-Esprit pour que nous restions dans nos salons ou dans nos salles à manger, en nous réjouissant maintenant d'être sauvés, alors qu'autour de nous, le monde se perd. Si tu les as équipés, remplis du Saint-Esprit, c'était pour les envoyer, pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Tu ne nous as pas baptisés du Saint-Esprit pour être simplement, Seigneur, là au chaud dans nos maisons, en disant à la rigueur, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Ô Seigneur, sauve ma famille, et une fois que tu as sauvé ma famille, ok, c'est bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Non, tu as emmené les disciples. Pierre, tu l'as sorti de sa maison, il avait une épouse. Tu l'as sorti de sa maison, tu l'as emmené ailleurs. Et tu nous sors de notre maison. Seigneur, nous ne pouvons pas désirer le baptême du Saint-Esprit sans désirer le salut de notre prochain. Nous ne pouvons pas désirer le baptême du Saint-Esprit sans avoir une vision pour ceux qui ne te connaissent pas et qui se perdent. Seigneur, je te prie, embrase l'Église. Commence à prier maintenant toi à haute voix, là où tu es, à haute voix. Commence à élever ta voix en disant, Seigneur, mais donne-moi cette semaine une opportunité. Seigneur, ouvre-moi une porte pour que je puisse amener quelqu'un à Jésus. Une personne, deux personnes, plusieurs personnes. Seigneur, nous avons le week-end de Pâques.
Donne-nous de ne pas voir ce week-end pas comme simplement un week-end où il y a trois soirées et puis le dimanche, non. Donne-nous d'y voir le moyen d'amener un ami, d'amener quelqu'un, de parler à quelqu'un. Père, je prie pour cela. Et si tous nos amis qui sont là devant le net, sur le net, et qui nous suivent devant leurs écrans, disent ce soir, Seigneur, nous voulons. Alors rien que dans la semaine qui vient, c'est tout le pays qui peut être impacté. C'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est l'île de la Réunion, c'est la Martinique, c'est l'Afrique, où se trouvent des bien-aimés qui nous suivent. C'est en Israël, c'est à New York, c'est à Montréal. Père, je prie que nous ne partions pas comme nous sommes venus. Seigneur, souvent nous venons dans cette soirée en disant, « Oh Seigneur, guéris-moi. J'ai mal ici, j'ai ça comme problème. Seigneur, guéris-moi. » Et je le comprends, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Mais ce soir, nous ne venons pas pour être guéris. Nous venons pour te dire, nous allons annoncer au monde qui nous entoure que tu es venu pour les guérir. Ce soir, nous sommes venus pour dire au monde qui est autour de nous, nous avons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La lumière est venue dans les ténèbres pour que vous soyez éclairés et receviez la vie éternelle. Celui qui est la parole, qui était avec Dieu, cette parole sans laquelle rien ne fut fait, tout fut fait par elle, celui qui est la parole est venu vers vous pour vous donner la vie éternelle. Ô Seigneur, remplis la bouche de chacun d'entre nous. Donne-nous les bonnes paroles. Donne-nous d'utiliser chaque opportunité pour annoncer cette bonne nouvelle. Vous êtes là peut-être ce soir et vous dites, mais moi je ne sais pas parler. Ou j'ai peur. N'aie pas honte de Christ. N'aie pas honte de Christ. Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dit Jésus, j'aurai honte de lui devant le Père dans le ciel. Les gens sont fiers pour des choses pour lesquelles on devrait avoir honte. Et nous, on devrait avoir honte pour la seule chose au monde pour laquelle on peut être fier. Soyez heureux d'être enfant de Dieu. Redressez-vous. Soyez sel de la terre et lumière du monde dans cette société. Saint-Esprit, viens. Viens. Viens et remplis mes bien-aimés. Viens et donne-leur ce zèle, donne-leur ce courage, donne-leur cette joie, même quand ils sortent de leur zone de confort. Et que leurs paroles deviennent des paroles de guérison, des paroles d'espérance, des paroles de relèvement, de restauration. Seigneur, dans un monde qui en a tant besoin, que ce soit devant les écrans, que ce soit dans ce lieu, veuille le faire, je te le demande. Que ton nom soit béni, à ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Sois béni, nous t'aimons, Seigneur, pour nous chanter Dieu à une armée qui se lève pour lui obéir. Des hommes, des femmes qui se lèvent pour le servir. Un seul, s'il te plaît. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. Mais ne sait pas, c'est l'Esprit de Dieu.
peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. L'apôtre Paul dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment croiront-ils si personne ne témoigne? Comment croiront-ils si la bouche du peuple de Dieu reste fermée? Il dit par ailleurs, si vous vous taisez, c'est les pierres qui crieront. Seigneur, nous ne voudrions pas un jour que les pierres de nos villes et de notre pays crient à notre place. Nous voulons nous parler, ouvrir notre bouche, te faire confiance et croire que c'est toi qui vas nous employer. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Seigneur, continue à baptiser du Saint-Esprit et que chacun puisse le chercher de tout son cœur. Et fais de nous ces témoins. Seigneur, ces témoins de ta gloire. Ici à Mulhouse, mais pas seulement, dans tous les villages alentours, dans toute notre région, dans notre pays, au travers de tous nos amis qui sont sur le net, mais également dans toute l'Europe et aussi loin où tu nous enverras. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Bonne rentrée à toutes et à tous.